DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Une place, déjà, archi-comble, dès les premières heures du jour. Le besoin de Katumbi, le besoin d'ensemble pour la République, le besoin de changement est très palpable ici, dans les plus surprenants des détails. Comme un poisson dans l'eau, le spécial n'a eu à fournir aucun effort pour accrocher cette marée humaine effectivement conquise. Une date de tous les symboles, parce que l'on retiendra que c'est ici que, pour la première fois, Escadela tenait son tout premier meeting populaire. Un coup d'essai qui s'est vite avéré être un coup de maître. Le temps est donc donné. Durant son séjour ici, de nombreuses âmes seront gagnées à Ensemble pour la République à travers une gigantesque campagne d'adhésion massive gratuite.
que le papa appelle tout le monde, sans discrétion, sans discrimination. Donc, nos tendances politiques devront le mettre de côté, mais il vient chez lui et nous avons l'obligation de l'accueillir, de le protéger en tant que responsable. Qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble pour la province? Dans le cadre du développement de notre province, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à être ensemble. Et d'ailleurs, ça peut être une première. Qu'un particulier et l'État mettent les moyens ensemble pour développer nos entités respectives. Merci beaucoup, monsieur le gouverneur. C'est moi qui vous remercie. Premier meeting populaire du spécial, Salomon Escadella, Idi Kalonda. À la grande place de la tribune de Kindu en guise du lancement de la campagne d'adhésion massive au parti, Ensemble pour la République. La population en liesse est entièrement acquise au président Moïse Katumbi Tshapoué. Le conseiller Salomon Escadella avait également profité de son séjour à Kindu pour lancer une chaîne de radiodiffusion et de télévision. Un passage au Maniema et des empreintes. Le spécial Escadella vient de donner à la ville de Kindu sa toute première chaîne de radio et de télévision privée, la radio-télé Saoutiya Kindu, RTSK, dont le signal vient d'être lancé ce jour. Nul doute qu'un raz-de-marée électoral se produira dans le Maniema lors du scrutin présidentiel de 2023. Il faut également savoir que le mépris dont est victime actuellement l'ancien Premier ministre Mota Tupounio, également ressortissant de la province du Maniema, ne pourra qu'être bénéfique au parti Ensemble pour la République représenté avec brio par Salomon Escadella.